Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une énorme routine nettoyage de printemps de ma sellerie. Donc c'est parti. Donc là j'ai tout ressorti de la sellerie, j'ai tout déménagé. Et donc maintenant il faut nettoyer les surfaces, balayer, on va repeindre la sellerie. Et après il va falloir tout ranger. Donc là comme je vous le disais, la sellerie est vide. Donc du coup... là, je passe un coup sur les surfaces et je balaye le sol. Dans la sellerie, il y a tout, la saleté, la poussière, les poils qui s'accumulent. En plus, moi, j'ai du mal à acheter les choses, donc du coup, ça va faire vraiment du bien de faire un gros ménage de printemps. Après avoir dévissé les porte-filets, on rebalaye un coup. Cet après-midi, je suis allée faire quelques petites courses chez Action. Donc j'ai acheté 3 grosses boîtes pour remplacer mes vieilles boîtes. J'ai acheté 2 petits seaux, un porte-filet, des largettes, tous les petits trucs qui vont bien. Là, j'attaque les bandes. Donc on nettoie tous les sacs de bandes parce qu'ils ont bien pris la poussière. Et on met tout dans la nouvelle boîte. Après avoir bien fait les bandes, on s'attaque aux guêtres. Donc là, je vais bien nettoyer toutes mes guêtres. En attendant que je nettoie mes guêtres, ma maman, elle s'attaque au mur de la sellerie. Donc elle a commencé par le mur de gauche. Maintenant, je range mes guêtres dans la nouvelle boîte. Ensuite, on s'attaque à nettoyer tous les produits de soins pour les poneys et les ranger dans la boîte. Là, je peins les porte-filets en blanc pour pouvoir ensuite peindre les petits crochets en couleur. En attendant que les porte-filets sèchent, je vous montre quelques petites vidéos de ma maman et moi en train de peindre les murs en bois de la sellerie. Et maintenant que les porte-filets sont secs, je vais peindre les petits crochets en couleur. Là, je passe un coup de lingette sur les porte-selles parce qu'ils en avaient bien besoin. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on a commencé à peindre le fond en bois en bleu. Et là, je vais faire l'autre côté. Ensuite, je viens faire un peu de rangement parce que on va pas se cacher, c'est un peu le bazar quand même. Voilà, j'ai fait un peu de rangement dans mon gros bazar. Ça ressemble toujours un peu à un gros bazar, mais c'est quand même un peu mieux. Là, avec ma maman, on accroche les porte-filets. Et j'aide un peu, bien que je sois complètement nulle à la visseuse. Ensuite, ça, vous le reconnaissez peut-être, c'est mon petit truc pour accrocher les morts. Et je les repeins. Donc pareil, je l'accroche au mur. Ensuite, on passe à la peinture du sol. Donc on a décidé de repeindre le sol parce qu'on avait fait tellement de taches blanches avec la peinture que le sol était devenu tout taché, donc on l'a repeint en ton pierre. Moi j'avais lavé mes licoles pour que vraiment tout soit super propre, donc là je les accroche au soleil pour qu'ils sèchent. Et je fais exactement pareil pour mes morts. Ensuite, pour vraiment être au top du top, je nettoie mes cloches moutons. Et
toi aussi ma commode. Je fais un peu de rangement, donc là je range mes bonnets dans un tiroir et je range un tapis dans l'autre tiroir. Ça y est, la sellerie, elle est prête. Il n'y a plus qu'à mettre les affaires dedans. Ça a été 2 jours super intenses pour tout peindre et tout ça. Mais maintenant, on est prêt, donc c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Tout ce qu'il y a, ça a été nettoyé. Donc maintenant, on va tout organiser. On va commencer par mettre les meubles, donc la commode et la malle. J'ai plus qu'à vous faire la visite guidée. Donc là, vous avez mon équipement à moi, donc mon protège-dos, mes bottes, mes bombes. Il y a toujours le petit truc à mort, mais je l'ai repeint en couleur, je trouvais ça super sympa. Là, il y a toujours ma malle. Ensuite, ici, il y a ma chemise Kentucky, la poubelle, le tabouret, la pharmacie. Là, j'ai les chemises, là, j'ai les couvre-reins. Ici, j'ai la boîte pour dans le champ, donc il y a les bonnets à mouches et j'ai aussi le travail à pied. Ici, j'ai mes affaires pour faire mes cuirs. Là, j'ai plein de carottes pour les poneys. Ici, c'est mon second mouche qui est presque vide. Là, j'ai des cuirs que je me sers pas, mes étriers dont je me sers pas non plus, et une petite boîte. Là, j'ai mes bonnets, un produit de chez TRM, un truc pour nettoyer, ma checklist, mes choses pour faire, mes trucs pour faire mes bottes et une petite pochette. Ici, j'ai mes tapis de concours. Et là, j'ai rien pour l'instant. Dans cette grosse boîte que j'ai achetée pour la sellerie, il y a les bandes. Ici, il y a toutes les protections, guêtres, cloches et protège-boulets. Et ici, il y a tous les produits de soins. Là, il y a tous mes filets et mon collier de chasse. Ça, c'est celui d'Ifi. Il y a le petit frontal que je vous avais fait. Le filet de damoiselle, un peu enfantin. Ça, c'est le filet d'édition. Ça, c'est le collier de chasse de Wushi. Le filet d'Wushi. Et ça, c'est le filet d'un peu tout le monde quand je veux monter les chevaux en mort simple. Ensuite, vous retrouvez la selle de ma maman, ma selle et la selle d'Emmy. Là, il y a tous mes licoles. Les licoles, j'ai pas vraiment de chevaux respectifs qui ont ce licol, c'est un peu pour tout le monde. Là, il y a le tableau, et là, normalement, il y a les tapis, mais je les ai emmenés à la laverie parce qu'ils étaient un petit peu crades, et j'ai décidé de tout laver, mon sac de pansage et des petits crochets. Bon, voilà, moi, je suis super contente,
Il n'y a plus qu'à garder tout rangé. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais tous de gros bisous.